Regardez-moi cette orgueil, regardez-moi cette générosité. Elle fait tout, elle prend le temps, elle vous apporte la flamme. Voilà, au plus près, pour que vous puissiez partager ce moment. Bien oui, c'est maintenant. On continue, messieurs, c'est le moment. Bien oui, vous allez. Direction la dalle de la défense aujourd'hui dans 92. Qui a reçu la flamme depuis ce matin? Partie de son, elle finit à Nanterre et qui est la championne? Jérusalem. Très content. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici pour allumer la flamme ici. Génial. Alors, dis-moi, quand tu as reçu flamme tout à l'heure, il y a 200 mètres, parce que chaque relayeur a 200 mètres à faire avec cette flamme. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que jeu et beaucoup de médailles pour la France. Bah, bien sûr, merci Monsieur Le Maire. Et justement, on parlait de médailles. Je vais donner la parole à Monsieur Sibeli dans quelques secondes. On parlait de médailles, de partage, de Jeux Olympiques. S'il vous plaît, veuillez accueillir la grande championne Amélie Mauresmo. Grand champion, voilà, qui se tombe dans les bras. Remercier, vous dire que c'est moi qui la reçois, mais cette flamme, elle n'est pas celle du président du département, elle est celle de tous les Alto-Séquanais et nous la partageons tous ensemble. Vive les Hauts-de-Seine! Parce que ce moment est important. Chaque soir, on accueille les gardiens de la flamme. Regardez, la flamme va rentrer dans la lanterne et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, elle va quitter. Elle peut pas rester là tout le temps. Elle va quitter le 92 et c'est comme ça que la flamme va dire bonsoir au haut de celle. On fait le tour de la dalle. Montrez-la où que vous soyez, là-haut, dans les escaliers, autour de cette dalle, au-dessus. Merci infiniment. Aux fenêtres, sur les terrasses, une journée de partage. La liesse, comme on... Oh, le département du 92 a offert un accueil.